Bonjour les amis, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette salée. Ça sera des oignons farcis à la viande hachée avec du riz. Voilà, bon j'ai pris comme vous voyez 4 oignons que je vais éplucher. Voilà, je vous reprends juste après les amis. Voilà, comme vous voyez, là je viens de finir d'éplucher mes oignons. Ils sont lavés et je vais les couper dans ce sens-là. Voilà. Je fais une petite entaille à ce niveau-là pour les 4. Voilà. Voilà. À ce moment-là, je viens prendre un récipient avec de l'eau que je vais mettre à bouillir pour mettre dedans les oignons pour une vingtaine à 25 minutes de cuisson. Je vous reprends juste après. Alors, à ce moment-là, les amis, j'ai pris de la viande hachée. Je mets dans un bac. Pour l'assaisonner, alors les amis, là j'ai mis de la coriandre, je vais suivre avec du basilic, un petit peu de basilic. Je vais mettre de la poudre d'ail. Voilà. Je viens mettre du paprika, 2 cuillères de paprika. Je viens mettre également du poivre. Voilà, et je vais mettre du sel. Voilà. Je viens mettre aussi de l'huile d'olive. Alors, il y a de la coriandre avec la viande hachée. Alors, il y a du poivre noir, du paprika, du basilic, de la poudre d'ail, du sel et de l'huile d'olive. Voilà. Alors, on malaxe bien tout ça, les amis. À ce stade-là, les amis, on vient rajouter du riz basmati. Voilà, les amis, je viens de rajouter du riz basmati qui n'est pas cuit. Je mélange tout ça avec la viande. À ce moment-là, j'attends que les oignons cuisent pour les farcir. Et je vous reprends juste après, les amis. Alors, voilà, les amis. L'oignon, il a été cuit. Je l'ai enlevé une par une. Pour cela, je vais les farcir. Je vais vous faire montrer. Comment je fais? Alors j'en prends une, voilà. Je prends la viande hachée avec le riz et je le farcis comme ça. Je le mets à l'intérieur. Voilà, hop. Et je le roule. Voilà. Hop. Je le pose dans mon plat. Voilà, je le pose comme ceci dans mon plat et je refais une deuxième, voilà, et ainsi de suite, et je vous reprends juste après. Voilà les amis, les oignons farcis que j'ai fait, donc il restait de la place, il restait de la viande, j'en ai profité pour vider 3 tomates et mettre la viande hachée dedans, voilà, pour pas jeter. Et là, je viens juste d'assaisonner du coulis de tomates que je vais mettre par-dessus. Alors j'ai mis la poudre d'ail et un peu de basilic, voilà, comme ceci, comme vous voyez, voilà. Et je vais mettre par-dessus les oignons, puis la tomate aussi. Et ça va partir au four pendant une quarantaine de minutes. Alors là, je viens mettre la sauce par-dessus. Bon, vous mettez 500 g de coulis de tomate et vous rajoutez un peu d'eau. Voilà. Je vais mettre tout ça au four et je vous reprendrai juste après. Voilà les amis, le repas. Alors, bon appétit les amis. Si vous voulez, alors mettez un like, partagez et commentez. Merci beaucoup.